Ou à chercher bonjour nouvelle, nouvelle sans passe pour qui, nouvelle ici avec l'autre Bodlo, analyse, débat, commentaire, interview, tout ça yo wap junior, yon seul côté, yon channel, yon pays, fais à la caille, channel information, hein, c'est yon devoir pour nous capables d'informer, parce que information, c'est métier nous. Haïti, c'est deuxième plus gros marché que la République dominicaine gagne après les États-Unis d'Amérique. Dominique yo pa vle sous aucun prétexte pour capable perdre marché ça malgré mauvais relation que dominicain gagne ensemble avec haïtien. Yo pa vle pour haïtien à vivre sous territoire yo. Chaque jour, il a fait vie déclaration sur Haïti. Chaque jour, il a traité haïtien les pire mauvais bagay qui capable exister dans monde ça. Mais marché haïtien, c'est chouchou yo, c'est chéri yo, c'est boubout yo, yo pa vle pedi marché ça sous aucun prétexte à cause que marché ça offri yo en pile avantage, en pile bénéfice. Kèk parmi avantage que marché haïtien offri yo, c'est parce que marché haïtien pré yo, yo capable rive nan marché ça bien facile par voie terrestre. L'autre avantage que marché ça offre yo, c'est à cause en Haïti pa gen ken mezi l'état haïtien presque pas fait rien, pa gen contrôle la douane, pa gen contrôle la douane et pa gen inspection de produit qui entre sous territoire dominicain, yo rentre n'importe produit que yo même yo vle sous territoire ça, et ben dominicain yo pense yo capable faire ça, yo vle yo capable vendre n'importe produit en Haïti et puis personne pa dit rien. Gouvernement haïtien prend une grosse décision qui choque dominicain yo. Et dominicain yo a voyé pied en pile pour décision ça que pays d'Haïti lui-même li fait. Et yo même yo fait une grosse dénonciation dans sens ça à cause des décisions ça que pays d'Haïti lui-même li prend qui s'est représenté un gros coup pour la République dominicaine. Et dans vidéo ça, nous voulons partager ensemble avec vous gros coup ça que autorité haïtienne yo même yo bay et la République dominicaine. Association dominicaine et exportateur yo relé yo Ado Expo yo fait comprendre que Haïti sont mette yon impôt sur la Haïti mandé pour capable payer yo environ $800 américains que autorité haïtienne mandé pour capable payer. Pour qui ça l'argent ça? L'argent ça c'est là que Saint-Domingue a exporté la voyer produit en Haïti, gros camion que nous connait qu'on a rentré avec marchandises, fait clou manger et maïs et spaghetti, toute vieille bagaille que qu'on portait qui passait par voie légale, non pas parler de ça qui passait à voie illégale qui passait directement à la douane. Eh bien Haïti dit comme ça pour yo capable vérifier marchandises qui pourra rentrer sous territoire haïtien, eh bien nous gagnons pour nous capable payer $800 américains pour l'état haïtien capable vérifier qui ça que nous porter dans machine ou du moins ça que nous pourra vendre dans territoire haïtien. Mais ça les mêmes les gagnent tout yon 27% impôt que pays d'Haïti lui-même li touché sous service que même y a ba sous service intérieur ça que relait devoir yo gon devoir pour capable payer yo gagne pour capable payer 27% et impôt yo gagne pour payer. Ça c'est comme si yo t'ai déjà à payer 27% impôt ça qu'on a et l'état haïtien dit aussi poser payer qu'on a $800 américains. Gen en pile réaction que dominicain yo même yo fait dans sens ça. Mais réaction c'est tellement en pile, c'est dans l'autre vidéo que nous même nous pral partager toute réaction que dominicain yo même yo fait et à cause des décisions ça que l'état haïtien lui-même lui prend. Après-midi, on a partagé réaction ensemble avec toi, mais on a prêté directement dans la décision que l'État haïtien lui-même lui prend pour le capable faire et l'État dominicain payer $800 américains pour le capable vérifier marchandises qui passent dans la douane entre Haïti avec Saint-Domingue. Président entité ça qui c'est Ado Expo, eh bien, il y aurait Lely et Elisabeth Mena. Lui-même lui exprimer préoccupation pour secteur ça lui-même est capable vendre en Haïti.
que Haïti lui-même c'est deuxième partenaire commercial et pays ces domaines. Côté fait comprendre que malgré maladie coronavirus, malgré frontières lui-même il était fermé, il fait qu'on est Yovan Haïti 536 millions de dollars américains depuis qu'on a lui-même il rentré à date que nous y journée jodia Yovan Haïti 536 millions de dollars américains sorti dans mois janvier pour arriver dans mois septembre année qui n'a pas parlé là. Ouais, malgré moment difficile, eh bien ça pas empêché pour l'état dominicain lui-même les capable faire en pile corbe sous haïtien. Nous tous nous connaissons Haïti et les pagains échange, les pagains yon commerce légal ensemble avec la République dominicaine. Il n'est pas légal. Et ça fait, ouais, yon rentre Jean Yovle, yon pote n'importe ça qui gagne en Haïti. Eh bien, dirigeant Ado Expo, lui-même, lui fait un appel à ministère des Affaires intérieures et dans le pays, ce domaine, et puis tout pro-dominicana, direction générale et à douane, direction générale des impôts et l'autre institution qui gagne pour eux, qui gagne lien ensemble avec TEMSA, et bien, lui mande pour yon capable de chercher une sortie. Pour yon capable chita ensemble avec autorité haïtienne pour yon et sous et nouveau mezi sa que l'état haïtien lui-même li prend pour capable mettre pour capable faire yon payer quantité de l'argent ça pour yon est-ce que pas gagner yon bagay qui capable faire parce que yon considère que comme ça et que l'état haïtien mandé pour yon capable payer li constituer yon gros coup et pour activité que même y a mené. Pas oublier c'est pas seulement la République dominicaine qui vend en Haïti, qui a exporté en Haïti. Il y a les États-Unis qui exportent et Panama exporté, Brésil exporté, il y a un pile d'autres pays qui exportent. Mais à cause que pays ça même yo plus loin que et la République dominicaine, eh bien, et produit par yo rive plus en retard en Haïti. Et couyo lui-même les piches, ça veut dire que produit l'autre pays ça eux-mêmes ils arrivent plus cher sur marché haïtien que eux-mêmes à cause que même eux-mêmes ils voyagent par voie terrestre, ils arrivent plus vite et produit par eux lui-même et produit par eux-mêmes ils arrivent à plus bon marché et sous marché et haïtien. Ça c'est avantage que eux-mêmes ils ont gagné. Bien que produit par eux même ils pas gagné ken et peut-être être capable de plus fort mais c'est d'après en pile information c'est série de produits qui eux même et des fois qui pas même utilisé en République dominicaine c'est des produits qui gagnent en pile quand là c'est les mêmes que dominicains ils prend ils voyaient sur marché et haïtien côté ça sanitairement ils pas apte pour le monde capable à consommer ils pas apte pour le monde capable et à manger. Mais à cause, j'aime te dire nous auparavant, à cause des faiblesses institutions dans le pays d'Haïti, à cause que pas gagnons contrôle sous sa cap rentrer avec sous sa cap sorti et dans le pays d'Haïti, eh bien tout pareil ça eux-mêmes y a fait et puis Dominique eux-mêmes y a fait en pile et cob sous pays d'Haïti et dans condition comme ça. De l'autre côté, et vice-président exécutif et Ado Expo, qui c'est Odile Minigno, lui fait qu'on est que et l'agence a, lui correspond à une valeur de FOB, F-O-B, qui c'est un sigle, et actuellement, on va connaître ça, ça veut dire. Il dit, les gens, ils sont capables de payer à ces entreprises, par exemple, SGS, et lui-même qui trouvait le sous-territoire et saute qui trouvait le hors des territoires ça et bien il est capable de gagner et ont l'autre impôt qui plus élevé. Ça c'est ça que autorité dominicaine yo monde qui gagne pour ensemble avec commerce qui vend en République d'Haïti yo même il y a vaut et pied yo pas ouais décision ça et n'a pas mis réaction que nous pour le partager ensemble avec nous là nous pour ouais et réaction selon notre vidéo comme tu déjà et fait nous connaître réaction c'est comme si yo t'a fait quoi que Haïti lui même il pas supposé prendre type de mesures ça yo t'a fait quoi que Haïti lui même et c'est un subalterne yo même Haïti c'est une province Haïti pas supposé apprendre type des mesures ça comme quoi que vous voulez faire comprendre que mesures ça c'est pour capable enrichir un groupe en Haïti et masse peuple là lui-même et il pas favoriser et eux même menacer pour capable pour capable monter prix produit que vous pouvez voir en Haïti yo. Mais dans l'autre vidéo que nous pouvons partager ensemble avec vous, vous pouvez avoir une chance pour capable suivre
et toute réaction qui vient pour dans le dossier ça. Pas oublier que actuellement là, il y a une grosse tension. Nous avons partagé ensemble avec vous hier et comment que le groupe haïtien sous frontière qui séparait et Wanamet ensemble avec Darabon, après qu'il y a une entente entre parenthèses qui était gagnée entre autorités haïtiennes avec autorités dominicaines pour être capable d'ouvrir frontière et lundi que se passait là. Lundi, et toute activité commerciale était fonctionnait bien propre. Mais m'a dit t'as pas gagné et gros manifestation qui fait sous frontière nous t'es partagé ensemble avec nous gros manifestation faite sous frontière côté que un groupe monde dit non il y a pas d'accord pour frontière les mêmes ouvert semble conditions que même été mettait à mes groupes monde ça qui opposé à l'autre groupe là qui est à la tête les magistrats wana maintenant et mais eux même ils dit non nous t'es partagé ça ensemble avec nous et nous pour voir comment dossier ça les mêmes pour fini. Et entre-temps, et ça c'est toute nouvelle que nous avons pour vous, toute information sur le dossier ça que nous avons pour vous, sur décision ça que les mêmes que l'État haïtien les mêmes points pour capable mettre série des infos sur la République dominicaine. C'était un plaisir pour nous être ensemble avec nous tous les amis et merci Dieu et passeport sexuel et nous pour partager et information à tout dans l'autre channel que nous avons. Et bien et nous prenons l'autre occasion rester en paix, rester avec bon Dieu. Merci, Zomi Fezelakai, pourtant, côté Metapa, et pour être capable de suivre les nouvelles ensemble avec nous, c'était un plaisir pour nous être capable de faire route là ensemble. Et pas oublier que nous là chaque jour pour nous capable informer, pour nous capable porter pour toutes nouvelles, toute actualité pays d'Haïti. Ou gain chance pour capable joindre ici en exclusivité sur chaîne Paola Fezelakai, parce que c'est un devoir pour nous, et pour nous capable informer, pour nous connaître, pour nous être capable de prendre de bonnes décisions. Les supposés gagner énormément, les supposés gagner à la disposition de lui-même des bonnes informations. Ces informations qu'a fait ou capable prendre de bonnes décisions, c'est ça que fait et nous baille tête de voir ça pour nous capable porter pour toutes les nouvelles et toute actualité avec toute objectivité ça les mêmes gagner la donne sans passion, sans que nous pas camper sous yo bon, nous pas faire à gauche, nous pas faire à droite, nous camper dans mitan droite. Pour nous capables et faire vivre tout ça et cap passer dans le pays d'Haïti. Et pour ça, il y a un seul grand bagaille pour capable faire, pour capable gagner à la disposition de nouvelles chaque fois que nous publions, pour capable gagner accès à vous-même, pour capable et qu'on est au plus bien abonné à la chaîne là. Activez cette cloche là, mettez-le sur tout. Ça permet de recevoir notification chaque fois que nous publions nouvelles. Et puis comme ça, vous êtes capable toujours maintenir informé avec Chanel Paola, Fezelakai, Yon Chanel, Yon Pays.